Et aujourd'hui, je vous montre mon petit travail, mon petit sac à main que je travaille en malle-plite normale. Une fois, une malle-plite individuelle dans chaque maille et suivie à la fin du rang. Une maille coulée et deux petites mailles en l'air. Et je travaille avec du nylon. Les grosses bobines. Ici, c'est en polyester de 100% de polyester, 225 grammes de pelote et 1,4 m de polyester. Et moi, j'ai choisi de la blanche en nylon. De 55% d'acrylique et 45% de nylon, 250 grammes de nylon et 1,15 m de nylon de fil. Et je vous montre déjà la petite couture avancée. Pour mieux vous expliquer la couture de mon petit sac à main. Et je vous montrerai dans de prochaines vidéos la petite couture. Et j'ai accompagné mon petit sac à main avec le bleu, toutes mes petites roses bleues que je vous ai déjà montrées, la couture, avec d'autres coloris dans des précédentes vidéos. De trois couleurs différentes et de trois sortes de coutures. Et les roses et les rouges aussi, ainsi que mon petit cœur. Et je vous reprendrai dans de prochaines vidéos. Le point. Et tout en vous expliquant que le petit sac à main, lui, il faut 18 rangs de mailles prites normales, individuelles. Une maille dans chaque maille. Fini d'une petite maille coulée à la fin et deux mailles en l'air. Et mon petit crochet numéro 8. Et je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos.